après l'affaire Vimin, etc., c'est le problème des corbeaux et le problème des lettres anonymes. Le problème, c'est que tout le monde peut en subir, parce qu'on les peut les recevoir n'importe comment, mais surtout, on ne sait pas comment lutter contre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut répondre oui ou non quand on reçoit une lettre anonyme? Grande et belle question. Eh bien, c'est la question que j'ai posée dans la rue, vous allez voir ça. Ça marche. Des images en couleur, avec la caméra. Est-ce que vous pensez qu'il faut répondre aux lettres anonymes ou non? Répondre comment j'ai pas très bien compris, là. Aux auteurs de lettres anonymes, vous pensez qu'il faut leur répondre? Non. Même pas, ça vaut pas le coup. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, c'est une chaîne sans fin, à mon avis. C'est-à-dire, ils écrivent une lettre anonyme, on leur répond, donc ils réécrivent? Ils réécrivent, à mon avis, je pense. Est-ce qu'il faut leur répondre, aux auteurs de lettres anonymes? Ben non, c'est peut-être ce qu'ils demandent. Eux, ils voudraient qu'on leur réponde. Ben, je pense. Et il ne faut pas rentrer dans leur jeu, selon vous? Ben oui, c'est ça. Est-ce que si vous receviez une lettre anonyme, vous répondriez? Oh non. Pour quelle raison? Ben, parce que je risquerais d'être subi par la personne en question. Je trouve ça stupide, donc je ne perds pas mon temps à répondre à ce genre de lettres. Même s'il y a un timbre pour la réponse? Même s'il y a un timbre pour la réponse. Même s'il y a un timbre pour la réponse, je ne perdrai pas mon temps à répondre à ce genre de lettres. Il faut expliquer à ces gens-là, bon, quand on envoie une lettre anonyme, ça peut leur poser mais du problème, quoi. C'est tout. Donc il faut leur écrire pour leur dire qu'envoyer des lettres anonymes, c'est dangereux. Mais ça, c'est délicat, ça, quand même. Ouais. Et vous pensez qu'ils vont en tenir compte ou pas? Ben oui. Est-ce que vous-même, si vous écriviez un auteur de lettres anonymes, est-ce que vous signeriez la réponse? Est-ce que je signerais la réponse? Oui. Elle serait pas anonyme? Non, elle serait pas anonyme. Et vous lui répondriez si vous en receviez une? J'aimerais bien qu'il mette l'adresse, je m'amuserai avec lui. Mais ils la mettent toujours ou pas? Les gens qu'ils ont reçus, comment on appelle ça, que j'ai entendu comme à la télévision, des choses comme ça, n'avaient jamais de... Ils ne savaient pas où écrire. Selon vous, quelle proportion signe? Réellement, 30-40%, peut-être, je ne sais pas. Éventuellement 30-40%. Et quand ils laissent un timbre pour la réponse, est-ce qu'il faut leur répondre quand même ou pas? Ouais, je mettrai le timbre et puis je leur renverrai. Je leur renverrai l'enveloppe vide. Avec le timbre dedans? Ah non, le timbre dessus, ils ne voulaient pas en payer un timbre pour leur renvoyer. Mais vous leur renvoyez quand même leur enveloppe? Je leur renverrai leur enveloppe avec le timbre dessus. Vous savez, ils ont perdu de l'argent pour rien. Pas vrai?